Salut, me voilà à Chamonix et plus précisément à Valorcine pour 4 jours d'entraînement. On est à 40 jours du marathon du Mont Blanc. Là donc, comme je disais, c'est 4 jours d'entraînement avec des séances spécifiques lors des sorties longues. Aujourd'hui c'est la séance force où je dois faire des sprints d'environ 10 secondes pour 2 minutes de repos, mais je dois les faire sur des fortes pentes avec un fort pourcentage supérieur à 10%. Et une fois terminé, je dois continuer mon itinéraire jusqu'à boucler une vingtaine de kilomètres. C'est toujours un peu bizarre de faire tant de route et d'attaquer l'entraînement, un petit peu la tête dans les choux. Par contre, j'ai amené un peu de soleil parce que quand je suis arrivé, il neigeait un peu. Et là, le soleil a bien percé. Voilà, c'est ça, la force du sud. Bon, allez, c'est parti. Séance force terminée. Ça s'est très bien passé. Et là, je viens d'entamer le départ de la montée de Valorcine. Voilà, qui est assez bien pentu. Et donc, on y va. Voilà, c'est parti pour 1 km vertical et une petite boucle pour faire mes 20 km de la journée. Allez, c'est parti, admirez ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, il fait pas beau et la vue est dégueulasse. Bon, ben ça grimpe sec. Il y a encore pas mal de neige quand même. Arrivé à 1800. On y va doucement de toute façon aujourd'hui. Après la séance, évidemment, on va y aller cool pour pas se cramer pour les autres jours. Mais c'est clair que le début de la montée, il pique. Il fait super mal. Et puis, si tu viens sans être entraîné au niveau des guiboles, avec l'altitude en plus, je pense que tu dois déguster. On continue. Il me reste 577 mètres. Bon là, un peu compliqué, pas très roulant, encore pas mal de neige finalement sur le haut et je suis pas tout à fait en haut encore. Donc on va voir si je peux toujours monter sans risque. C'est pas trop pentu parce qu'il y a quand même pas mal de neige. On verra. Allez, on continue. Donc, là on est au premier téléphérique. Et voilà, session terminée. 21 km de cumulé, mais malheureusement pas assez de D+. Il me manque 200 mètres de D+ pour finir mon kilomètre vertical. Trop de neige en haut, j'ai perdu énormément de temps. La neige m'arrivait jusqu'au tibia, mais bon, c'est pas grave, on se rattrapera. Je vais changer les itinéraires, je vais partir de plus bas. Maintenant, c'est place à la récup, au repos et à demain. Bonjour, il fait beau. On est à Chamonix. Bon, il fait super beau, jour numéro 2, on va entamer seconde course aujourd'hui, 25 km, tranquille, avec un peu plus de 1000 mètres de D+. Normalement, c'est comptabilisé, 1700, mais bon, je sais pas, c'est très bizarre au niveau des calculs de dénivelé. On est bon, on va entamer ça tranquille. Bon, aujourd'hui, c'est toujours ça, hein. Et voilà, très très compliqué, pas de souffle, les jambes lourdes, enfin les symptômes habituels quoi, je vais pas répéter, hein. On connaît à peu près tout ça, donc pas de jambes, même en rando-course je peine, c'est pénible, oh mon dieu que c'est terrible, donc je vais peut-être écourter la séance pour pas me cramer. Voilà, on en est à 13 km, 900 de D+. Ça pique, hein. Ouh là là. Ouh là là. On peut clairement dire que j'ai raté ma session complètement. Très fatigué, d'un. Et puis, l'itinéraire que j'ai fait, c'est une catastrophe. Évidemment, quand on ne connaît pas, on peut pas savoir. Et puis, ça a été le parcours du combattant. Des trucs hyper techniques. Des passages via fer à table, n'importe quoi. J'ai fait vraiment carnage. Et en plus, le moral dans les chaussettes. Bon, voilà. Séance 100. Aujourd'hui, c'est pas grave.
on va quand même terminer, hein. Faut bien. Il me reste encore 5 bornes. On est à 1400 de D+. Allez, on profite de la vue derrière. Allez, pour aujourd'hui, ça sera terminé. Bon, eh ben, bilan, catastrophe. Voilà, 24 km, 23 et boîtes, on va être passé 24, 1500 de D+. Et totalement à la cave. Voilà. Bon, en même temps, voilà, déjà pas les jambes, itinéraire de merde, c'était pas du tout roulant. J'ai morflé, les jambes ont bien morflé. Donc il va bien falloir que je ménage les prochains jours. Ouh là là. Bon allez les enfants, sur ces bonnes paroles, à demain. Allez, ciao. Je vais pas revenir sur les conditions catastrophiques d'hier. Donc aujourd'hui, du coup, pour récupérer, parce que j'ai pas envie de me cramer pour la séance qui reste à venir de demain, on va y aller mollo. Je vais faire un petit footing tranquille, sans forcer, très peu de dénivelé. Voilà, sur les bords de Chamonix, sur les petits chemins. Et puis voilà, tranquillou aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Ah, ça y est, séance terminée qui a duré 45 minutes pour 7 km, vraiment très très cool, 220 mètres de dénivelé. Pour vraiment délier les jambes, on les sent bien bien lourdes. Ah, on sent que ça a fait son effet, il va falloir bien se reposer après ça. Voilà, en espérant que demain ça aille quand même un petit peu mieux, que ce soit un petit peu plus léger. On bouclera ce séjour ici à Chamonix avec cette petite course de 25 km. Voilà, mais on ira tranquille demain aussi. Vraiment, on va essayer de manger du dénivelé pour travailler un petit peu l'endurance de force, les monter. Et puis voilà, cool, pour pas trop taper dans les réserves. Et je pense que dimanche, je reporterai la séance de cardio que je devais faire aujourd'hui, qui aurait été trop éprouvante pour pouvoir suivre après la course qui viendra demain. Ça aurait été très compliqué. Peut-être dimanche, séance cardio que je ferai sur Marseille, sur la piste d'athlée, ou alors sur terrain vallonné, je pense. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Quelques étirements arrivés au chalet. Et puis, bon repas pour demain. Et on partira assez tôt, je pense. Allez, ciao. Bon, voilà, on est vendredi, dernier jour. Pour un parcours de 25 km, 1600 de D+. Ça commence. Non, aujourd'hui ça va, les gens me répondent. Plutôt en forme. On s'est fait un petit parcours en sans dépasser les 1600-1700 mètres d'altitude. Parce que sinon, c'est la neige en haut et c'est pas praticable. Sur le petit balcon sud. Allez, on continue. Bon, bah, toujours en pleine forme. Ah, je pète le feu. Ascension de la plus grosse côte. Il y a 800 de D+, je crois. Tout va bien, tout va bien. Je gère vraiment mon effort. Et c'est plutôt cool. Voilà, dès que je peux courir en montée, je cours. Et dès que c'est trop technique, que ça casse, j'arrête. Voilà, on continue. Je vais encore un tout petit peu haut, je pense. Il y a trop de neige. Bon, c'est praticable encore. Ça commence à bien tourner ici. Il va falloir que je redescende à Marseille après. C'est dur. Ah, mais c'est beau. Bon. Ouais, je viens de perdre une bonne vingtaine, même plus que ça. Trop de neige, et je suis obligé de me frayer le chemin par là, ça va, c'est pas trop risqué. Je perds énormément de temps, je m'enfonce, ça mord. Oh la mer de glace, c'est la mer de glace. Ce qu'il en reste, quoi. Allez. J'ai perdu la vie pour traverser cette neige. 3 heures, je suis à 3 heures déjà, putain, ça passe trop vite. Voilà, 3 heures, j'ai fait 16 bornes.
Bon, allez, je descends. Là, c'est plus que la descente, pratiquement. Deux, trois petites montées, mais ça va. Et bon, c'était bien galère cette neige. Ah, j'ai bien perdu d'une demi-heure. Allez, c'est parti. Ça y est, on a passé la flégère, donc plus de neige. Oh mon Dieu. Allez, c'est parti. On termine. Bon, ben voilà, terminé. Oh là 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 là. C'est grand ciel bleu aujourd'hui. Temps merveilleux. Bon, c'est terminé. Voilà. 4h20 pour 26 km. Bon, c'est pas grave, ça m'a entraîné. La neige en haut, ça m'a bien fait galérer pour le mental. Très très bon. Bon, voilà, j'ai dû perdre bien 3 quarts d'heure. Facile. C'est jour terminé, je redescends sur Marseille. J'espère que tu as appris un peu plus de choses. Pour mon petit séjour d'entraînement, au niveau du bilan, ça va, ça s'est plutôt bien passé, bien que j'ai eu des déboires mercredi, ça a été très compliqué. Mais bon, j'ai l'impression qu'il me faut un peu d'adaptation quand j'arrive en altitude. Les premiers jours sont toujours difficiles, je dors très très mal et je suis vraiment fatigué. Donc au bout de 2 jours, ça va beaucoup mieux, donc je saurai quoi faire à l'avenir. C'est tout pour ce petit séjour. Encore une fois, si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux être tenu informé des prochains posts, vidéos. Hein, t'abonner aussi à mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste du contenu assez quotidiennement, hein, pour la préparation d'ailleurs. Surtout, n'oublie pas, ne reste pas en bas et prends de la hauteur. Salut!